Good morning, Ale Iden, les tuteurs aujourd'hui, les Lunish Madrivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Chaim Eliyahu Ben Shalom Nosky, Alain Avraham Ben Nissan Koskas et Shmuel Lanasri. Nous commençons, si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous commençons le 7e périg de Baba Messia. Asocher et Apoalim, la Marlaem, la Ashkim ou la Arrive. Makom Shenagou, Shelo la Ashkim, Meshelo la Arrive, et nous rachèlons la Koufan. Makom Shenagou, Lazun, Yazun. Lesapek bimtika yesapek hakol keminhag amedina maase berabi Yochanan ben Matia shamar livno se schor lanu poalim halach upasak lahem mezonot ochshebay tzel aviv amar lo beni afilu im ata oseh lahem kisud al shlomo beshaato lo yatzata yedei chovatcha imahen shein bnei avraham yitzchak veyaakov ela ad shelo yatchilu bimlacha tse veemor lahem al menad shenilachem alai ela pat vekitnit bilvad. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo haya tzarich lomar, hakol keminag amedina. On commence maintenant dans ce chapitre les droits des employés. On va commencer avec une première Mishnah, on va parler essentiellement des usages en vigueur, combien est-ce qu'on est engagé par eux, et après, depuis la Mishnah Bet jusqu'à quasiment la fin du chapitre, on va parler d'un sujet très intéressant. C'est une halakha particulière de la Torah, de l'employé qui a le droit de manger pendant qu'il fait son travail, qu'il a le droit de manger de ce qu'il est en train de travailler chez le propriétaire. On aura l'occasion d'en parler. Pour notre propos, pour le moment, dans notre Mishnah, on va parler de ce qu'on appelle du Minhag à Medina, les usages en vigueur. Et on commence à faire tout de suite la Mishnah, la première partie de la Mishnah. Asocher et Apoalim va amar lahem lehashkim ula ariv. Pour rappel d'abord, on évoquait, on rappelait au début du Perek Vav qu'on différencie, de manière générale, dans le langage, on différencie un ouman, un artisan, d'un poel, d'un employé salarié. Il y a, de manière générale, il y a une différence fondamentale entre les deux. Un salarié est quelqu'un qui travaille à l'heure, et il est d'une certaine manière, il ressemble à... C'est une forme d'esclavage. On travaille à l'heure. Tu nous intéresses, t'es un animal que je prends pour une durée de temps, et j'exploite. T'es plus maître de toi pendant ce moment-là. Si on peut dire, bien sûr. D'accord ? Tandis qu'un entrepreneur, il est maître à bord. Il reçoit des travaux à réaliser, mais il travaille quand il veut. Il y a une différence fondamentale entre les deux, de ce point de vue. De là découlent plusieurs halakhot. On aura l'occasion d'en évoquer, d'accord ? Il y a plusieurs halakhot. Dans la mesure où, quelque part, le salarié est assimilé à une forme d'esclavage, donc la Torah va lui donner plein de droits pour le remonter un petit peu. D'accord ? Notamment, la grande halakha qu'on a déjà évoquée, c'est le droit de se rétracter sans qu'on réduise sa paye. C'est une halakha qu'on rapportait au début du Perek Vav. Maintenant, on parle de toute façon, c'est juste à titre de rappel, pour notre propos, c'est juste que la Mishnah mentionne le mot Poalim, alors je voulais juste rappeler que Poalim, c'est quelqu'un qui travaille à l'heure. Maintenant, on parle d'une personne que... Asocher et Apoalim, celui qui loue un employé, donc à venir travailler, comme on a dit, pour la journée. Vamar lahem lehashkim ula ariv. Et il leur dit de se lever plus tôt pour venir travailler plus tôt, ou encore de travailler plus tard le soir. La Mishnah nous dit, makom shenagou shelo lehashkim veshelo la ariv. Si nous sommes dans un lieu où nous n'avons pas l'usage de se lever trop tôt pour travailler, ou bien de traîner plus tard, de faire des heures sup le soir, et non, Rachaï la Koufan, il n'est pas en droit de les forcer. De quoi on parle? Question essentielle, bien sûr. D'abord, on va poser une règle de base, c'est que toute condition que je pose au moment où j'embauche l'employé, elle entrera en vigueur, parce que c'est que dans ces conditions que je t'engage, et si t'es pas d'accord, eh ben dégage, mais dis-moi non. Donc, dans notre Mishnah, on ne parle pas d'un cas pareil. D'accord? Si j'aime au moment où j'emploie, hein, où je signe un contrat avec un employé, je lui dis tu viens, mais tu dois venir travailler 3 heures avant tout le monde, travailler 4 heures plus tard. Il est plié aux conditions qu'on a posées au moment où je l'ai embauché. Donc dans notre Mishnah, on ne parle pas d'un cas pareil. On parle de quoi? On parle d'une personne qui a embauché un employé sans lui préciser quoi que ce soit. La Gemara précise même plus que ça. Il l'a embauché et il lui a même rajouté de l'argent. Alors que tout le monde touche 100 shekels la journée, il a payé 150 shekels la journée. Il a dit, viens, je t'embauche. Viens travailler demain, ouais, j'ai besoin de toi très urgentement demain. Viens, 150 shekels, j'ai plein de travail pour demain, 150 shekels.
Une fois qu'on a conclu, donc qu'il y a eu début de travail, c'est d'ailleurs la route particulière, comment est-ce qu'on fixe que ça a été, qu'on a été engagé, mais en tout cas, il y a eu ce qu'on appelle Trilat Melacha. Il y a eu, on était engagé, les deux parties ont été engagées, je lui dis, ah, j'ai oublié de te dire, je t'ai donné 150 shekels et je t'ai dit que j'ai plein de travail. Ça implique que tu travailles une heure supplémentaire le matin. Ou bien ça implique que les mêmes 8 heures que tu devais travailler, mais tu ne travailles pas de 8 heures jusqu'à 4 heures de l'après-midi ou 5 heures. Tu commences à travailler depuis 6 heures du matin, j'avais oublié de te dire, c'est pour ça. Là, on va dire non, 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 non. Au moment où je l'ai embauché, je me suis tacitement, on s'est plié aux usages en vigueur dans la ville. Or, dans la ville, on travaille depuis telle heure jusqu'au soir uniquement, donc je suis plié à te travailler dans ces heures. Tu vas me dire, ah, mais pourquoi alors, comment on t'explique le fait que je t'ai rajouté de l'argent, tu n'avais pas compris? Sur ça, il va me répondre, ouais, je me suis dit, bon, tu voulais que je travaille très bien, tu savais que j'avais des doigts en or, que j'allais très bien travailler, je me suis dit, super, je vais bien travailler, comme ça tu vas être bien satisfait, et c'est tout, je ne suis pas engagé plus que ça. Ça, c'est ce qu'elle nous enseigne à Mishnah, d'accord? On fait ça dans les moments, regardez comment ça entre. Asrurat Apoalim, celui qui noue un employé. Ve'amar la'em la'ashkim la'ariv, et après coup, après qu'ils ont conclu, il lui dit, il leur demande, les Hashkim, on arrive, levez-vous plus tôt, ou traînez plus tard le soir. Makom shena agush, alors les Hashkim, on arrive, si nous sommes dans un endroit où on n'a pas l'usage de venir de travailler à de telles heures, et non rachay la koufan, il n'est pas en droit de les forcer. D'accord? Makom shena agulazun, yazun, autre condition encore, si nous sommes dans un endroit où on a l'usage, où le patron a l'usage de payer à manger, dans l'après-midi, le repas de midi aux employés, il devra les nourrir. Les sapek bimtika, yesapek. Si l'usage, il est de temps en temps, leur apporter une petite sucrerie, metika, quelque chose de matok, Bartonor y apporte les fêtes. Une petite compote, un liftan, il apporte. D'accord, un petit truc doux, sucré, comme ça, à mettre sous la langue, en plein milieu du travail, yesapek, il sera obligé de le faire. C'est intéressant quand même, histoire de... C'est une question de culture, quoi. Le Tiferet Israël, il rapporte, l'usage, c'est comme chez nous, on verse un petit verre de yesh, de yaim shechar, un alcool ou une bière. D'accord, chacun a sa petite douceur. Donc si l'usage est de donner un petit verre de bière à l'employé, le patron devrait le lui donner. Et la Mishnah conclut en nous disant, Akol keminhag amedina, tant que l'on n'a pas explicité autre chose que l'usage en vigueur, on sera plié à accomplir l'usage en vigueur exact. On inclut dans ce cas, puisque c'est une règle, dans la Mishnah qui insiste sur quelque chose, c'est qu'elle vient inclure une halakha qui n'était pas explicite. La Gemara, ça va porter dans le Barthénora ici, on parle d'un cas, cet ajout pour nous dire, on sera plié à Kol Kemina Gamedina, pour nous dire, même si on a l'habitude, que le patron, supposons, l'usage il est que le patron donne à manger à ses employés, mais de quelle manière? Avant de partir au travail, il passe chez lui à la maison, il mange chez lui à la maison. Et le patron leur dit, ouais, mais demain on a plein de travail, alors je vous demande, ne vous inquiétez pas, je vous amènerai à manger à l'atelier, au champ. Sur ça, il peut lui dire, non, 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 l'usage, il est de venir chez toi manger, on va venir chez toi manger. D'accord? Ensuite, on continue la deuxième partie de la Mishnah. C'est une Mishnah facile. Elle est longue, mais elle est facile. Tout ça, c'est une petite histoire. Et là, on raconte une histoire, je vous l'annonce, faites attention, elle va contredire ce qu'on a dit dans la Mishnah. Maaseh de Rabbi Yochanan ben Matia, une histoire qui se passa avec Rabbi Yochanan ben Matia. Shamar Livno, il a dit à son fils, c'est Schor lanu poalim, va embaucher des employés pour demain matin. Halach, il est parti. Ou passa Klem Mezonot, et leur dit, venez, on va vous donner à manger. Venez travailler pour temps et temps, et vous allez même recevoir à manger. Urcheba et Tselaviv, et lorsqu'il est rentré chez son père, il a dit, ça y est, papa, j'ai trouvé. Deux employés qui vont venir demain matin, et je leur ai même dit qu'on va leur donner à manger, bien sûr. Pour Sheba et Salaviv, quand il est arrivé, donc le fils, chez son père, Rabbi Yochanan ben Matia, et qu'il lui a raconté cette histoire en Marlo, son père lui a répondu, béni, oi oi oi, mon fils, t'as fait une bêtise. Afilo imata oselahem kisoudat shlomo beshaato, même si tu vas leur faire, leur donner à manger, comme les repas grandioses du roi Shlomo, à son époque, tu te quitteras même pas encore avec ça. Sheen, Bnei Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce que ces employés-là, qui sont des juifs, ce sont des descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer que ça implique, mais bon, je finis de traduire les mots. Et là,
S'il te plaît, mon fils, jusqu'à qu'il vienne et qu'il commence à travailler, donc qu'on va conclure les conditions. Pour le moment, on est encore en position, on peut revenir et remodifier encore. S'il te plaît, va vite et dis-leur, attention, je vous ai dit que j'allais vous donner à manger, mais ce n'est que à condition que vous n'avez envers moi, donc que je ne vous dois, et la pâte de kitnit bilvad, du pain et un petit légume uniquement. On répète l'histoire, et regardez comment ça va contredire l'histoire. Ça va contredire la halakha qu'on a eue dans notre Mishnah, il va falloir un petit peu retravailler cette histoire et rajouter un détail important. Ça se passe comme ça. Il y a eu un Rabbi Yochanan ben Matia, il a envoyé son fils chercher des employés. Les employés, il les a trouvés, et leur a dit 200 shekels la journée, vous venez demain, et on va même vous donner à manger. Quand il est rentré chez son père lui a dit, oi, qu'est-ce que tu fais de leur dire que tu dois leur donner à manger? Avec eux, avec des juifs, descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, tu t'acquitteras même si tu leur donnais un super bon repas, comme Shlomo HaMelech, la Gemara nous fait le détail là, dans ces apim de Gemara, des séoudotes de Shlomo HaMelech, des quantités phénoménales de nourriture qui pouvaient circuler. Il nous dit, même si tu leur fais même des quantités pareilles, tu ne t'acquitteras pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et vous savez très bien que chez Abraham, quand on veut donner à manger à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On égorge une vache, un veau pour chacun, pour lui donner la langue, et on la trempe dans le chardal, comme l'histoire avec les malachim, quand il avait reçu les anges. Donc, chez nous, les bons juifs, quand on veut faire plaisir à quelqu'un et faire un bon repas, on prend une grosse langue à la moutarde pour chacun. Tu te rends compte? Tu me dis que tu vas lui donner comme Shlomo HaMelech, même ça tu vas pas t'acquitter. L'agma elle compare, on va pas rentrer dans trop de détails. Mais en tout cas, tu ne pourras même pas leur donner un gros morceau de viande, tu t'acquitteras pas. Il faudrait que tu leur donnes forcément une langue. Oh, une langue à la moutarde, c'est trop compliqué ton histoire. Va vite, vite, vite et annule. Annule, pas la, toute la... Va vite repréciser que l'intention quand tu as parlé, c'était uniquement de lui donner pas de vikinite et pas plus. Cette histoire contredit ce qu'on a enseigné, puisque finalement quoi? Le minag, même si on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on n'a quand même pas l'habitude de manger tellement. Lorsqu'on se fait embaucher, l'usage en vigueur n'est pas de donner aussi largement. Alors quoi? Pourquoi il a besoin d'annuler? La réponse elle est que ça se passe comme ça. Faites attention, il y a une petite finesse, et comprenez bien parce que ça va être nécessaire pour comprendre ensuite Rabban Shimon ben Gamliel juste après. Ce qui se passe c'est que, il est vrai que lorsque on a une règle, quand il y a des choses qui sont admises, si je rajoute des mots supplémentaires alors qu'ils étaient de toute façon inclus, je rajoute une condition qui était de toute façon inclue dans les règles de base, même si je ne le précisais pas. Il y a des avis, on aura l'occasion d'en reparler longuement, il y a des avis qui vont dire que si tu rajoutes quelque chose, c'est que tu as envie d'ajouter, d'en faire plus que ce que tu as engagé. C'est-à-dire, puisque tacitement, on est d'accord que dès que j'embauche quelqu'un, je dois lui donner à manger. Pourquoi? Parce que l'usage dans la ville est de donner à manger. De ce fait, lorsque je l'embauche, je lui dis « et je vais te donner à manger », qu'est-ce que je voulais dire par là? Je vais faire comme tout le monde, alors pourquoi tu parles? Rabbi Yochanan ben Matthia pense, si tu rajoutes des mots, c'est parce que tu penses à faire plus. Puisque quand tu te tais, tu dois de toute façon donner à manger. Lorsque tu dis « je vais vous donner à manger », c'est que je vais vous donner une bourta de nourriture, d'accord? On va donner plein à manger. Selon ce principe, il lui a dit « alors va vite, annule ». Donc ça correspond en fait. On doit toujours faire « akol kemenaga medina ». Sauf que si tu rajoutes des paroles, tu n'es plus engagé. C'est clair? Et c'est précisément sur ce point-là que Rabban Shimon ben Gamliel discute. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il n'y avait pas besoin de s'affoler. Dans la mesure, ça arrive que les gens ils précisent des choses qui te de toute façon incluent. Peut-être qu'on ne sait jamais, peut-être qu'ils ne sont pas du quartier, ils ne savent pas comment ça se passe. Peu importe. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il n'y a aucune nécessité de se soucier. Pourquoi? Parce que akol kemenaga medina, jusqu'à que je te dise que je vais te donner des entrecôtes toutes les heures, pour le moment, je n'ai pas d'obligation de te donner tellement à manger, parce qu'on est d'accord, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas l'intention de changer de l'usage. C'est clair? La Mishnah, elle est claire, Baruch HaShem. Donc, on refait maintenant une petite synthèse très rapide. On a appris une règle importante. Si on veut poser des conditions différentes de l'usage, on doit les poser au moment où on embauche, mais dès que la personne commence à travailler, alors là, on est plié aux usages du pays. Aux usages clairs du pays, qu'il s'agisse des heures de travail, des moments où on travaille la même quantité d'heures, qu'il s'agisse encore de tout ce que vous voulez, ouais, qu'il s'agisse de nourrir, qu'il s'agisse de donner même des petits verres de bière ou des petites sucreries pendant le travail,
Et même du lieu où manger, vous passez chez moi et vous mangez avant de partir travailler. Et deuxième partie maintenant, une discussion intéressante. Dans la mesure où de toute façon on est engagé à remplir une certaine condition, si j'explicite la condition, est-ce que mon intention est de rajouter plus? Ça s'exprimait comment? Ça s'exprimait que de toute façon l'employé, je devais lui donner à manger. Lorsque je l'embauche et je lui dis, viens, je vais te donner à manger, est-ce que mon intention est de faire plus que mon devoir minimal? Et Rabbi Yochanan ben Matthia pense que oui, Rabbi Shimon ben Gamliel pense que non. Dans la mesure où j'explicite pas que je vais donner plus, mon intention est uniquement de préciser une chose évidente, c'est pas grave, ça arrive, on peut parler un peu pour rien. Et la Barthénora va nous fixer que la halakha sera comme Rabban Shimon ben Gamliel, donc il n'y aura pas besoin d'aller acheter en même temps des bœufs pour faire à chacun une belle langue à la moutarde. On fait maintenant le Barthénora rapidement. Bezrat Hashem, Asochera Tapoalim, Enorachel Akoufan. Celui qui emploie un employé n'est pas en droit de le forcer à venir travailler à des heures différentes. Même s'il lui a tafa cette feuille, ça veut dire plus, même s'il lui a rajouté plus à agraïhu sur son salaire, mishar poalim, l'homme a tsi amarleu, il ne pourra pas lui répondre, haï detafa elach agraïhu agraïhu, ce que je vous ai rajouté plus que votre salaire, agra c'est le salaire. Le aleph au début c'est al en araméen, enfin, on fera un cours de grammaire à l'occasion, et adata de magdemitu, on marche chitu baadei. En tout cas il ne pourra pas leur dire, non, ce que je vous ai rajouté plus c'est avec intention que vous allez vous lever plus tôt ou plus tard, non, d'amrele, parce que lui, ils vont lui rétorquer, haï detafat lan. Ce que tu nous as rajouté plus, nous on l'a pas encaissé parce qu'on pensait qu'on allait travailler plus longtemps. On pensait que c'était uniquement pour qu'on te fasse un travail beaucoup plus beau. Tu comptais sur nous pour qu'on travaille avec plein de pêche. Bimtika, c'est liftan, un petit dessert, un petit kiff. A kol ke minhag ha-medina, on sera toujours engagé à faire selon le minhag ha-medina, l'usage du pays. A kol leituye durte. Le mot hakol est venu pour inclure encore d'ourté, un endroit, denehige poalim le mechal ou le mishte betsafra, bebeito shel balabait, où les employés viennent manger et boire le matin dans la maison du boss. Kodem shiyetsu l'imlachtan, avant de sortir gaiement au travail. Deyamar le ou balabait, parce que si dans un cas pareil, le propriétaire, l'employeur, leur dit, kadimu la videtaichu basade, commencez, levez-vous, partez directement au champ. Et je vous apporterai votre nourriture là-bas. Amrele lo. Ils lui répondront non. Ela ata nochal babait kodem shenese asadek imenag hamedina. On veut d'abord manger tranquillement sur ton fauteuil avec ton écran plat devant ton écran de télé. Maase verabi Yochanan ben Matthia. Et la Gemara nous répond. La Mishnah nous raconte une histoire avec Rabbi Yochanan ben Matthia. La Gemara mefarech de chesurim echassara ve'achiktane. La Gemara nous précise qu'en fait, il y a un problème dans la Mishnah, quand on explique à l'oral, il faut rajouter une petite phrase en disant Vim pasak lehem mezonot, ribar lahem. Si jamais il a dit qu'il allait leur donner de la nourriture, alors qu'il était de toute façon engagé par l'usage du pays, ribar lahem, on interprétera qu'il a voulu leur ajouter. Klomar, c'est-à-dire. Puisque de toute façon, ils n'avaient pas besoin de poser la condition explicitement, puisque de toute façon, l'usage du pays, il est de leur donner à manger, et qu'il a ajouté, explicité, qu'il allait leur donner de la nourriture. Mais on a tiré Kamar. On a interprété qu'il a voulu leur donner plus que ce qu'il devait. Oma Senami Rabbi Yochanan ben Matthia, et telle est d'ailleurs l'histoire qui s'est passée avec Rabbi Yochanan ben Matthia, où il y a eu cette fameuse histoire. On a eu une précision dans la Mishnah, on a dit, même si tu leur donnes comme Shlomo Beshaato, comme Shlomo à son époque, pourquoi Shlomo à son époque? C'est évident que Shlomo avait l'air, d'accord, pourquoi il a fallu préciser à son époque? Parce qu'en fait, Be'et Malchuto, des Melech Vehediot avait. Parce que Shlomo Melech, vous savez bien, à la fin de sa vie, il a perdu la royauté et c'était un petit vieillard pauvre qui marchait avec sa canne uniquement. Un vieillard de 52 ans, mais quand même. D'accord? Donc là, on a dit, mais Shlomo Bechato, c'était lorsqu'il était encore dans toute sa force, dans toute sa splendeur. Shem Ben Abraham, il s'est Yaakov. Pourquoi tu ne t'acquittes pas, même si tu leur faisais des grands repas? Parce que tous les juifs sont des descendants de Avraham et de Yaakov. Et alors quoi? Les Seudato, chez Avraham Gdola, Michel Shlomo. Et il s'avère qu'un repas, un festin chez Avraham Avinu, était bien plus large que chez Shlomo Ameler. Dès le Avraham, Shlosha Parim, Shlosha Anashim. Chez Avraham Avinu,
on n'hésitait pas, on n'hésitait pas, on a porté, il a porté là-bas trois veaux pour trois hommes, les trois anges qui sont venus le voir. On peut souder à Shlomo, tandis que dans le repas de Shlomo, il est vrai que le Navi, là-bas, dans Melachim, on détaille des quantités phénoménales, mais c'était pour qui tout ça? Pour Yehuda et Israël, Rabim, Kechol, Hachar, Asotaya, mais il y avait quand même des milliers de gens qui mangeaient de cette nourriture. Donc même s'il y avait en quantité, il y avait plus, mais chacun, personnellement, recevait moins que chez Avraham Avinu. Ad Shelo Yatrilo Bimlacha. Donc maintenant, va vite les voir jusqu'à qu'ils commencent à travailler. Pourquoi avant de travailler, qu'est-ce que ça fait? Des en kanel advarim, parce que pour le moment, ce ne sont que des paroles. Il n'y a rien eu de concret, comme on a déjà expliqué, il faut un masse kinyan pour conclure les engagements. Sinon, c'est que des paroles. Et dans le cas précis, on avait le droit de se retracter, étant donné qu'ils n'ont pas commencé. Dès le Meshia Trilolo Toucha Lorzor, parce que par contre, lorsqu'ils débuteront leur travail, tu ne pourras plus te rétracter. Rabban Shimon ben Gamliel, le maire Rabban Shimon ben Gamliel dit que ce n'était pas la peine de rajouter tout ça. Va la chak Rabban Shimon ben Gamliel, et la halakha est établie comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, puisque l'usage est de donner à manger, même lorsque l'usage est de donner à manger, si je précise que je vais leur donner à manger, on ne va pas interpréter que j'avais l'intention de leur rajouter plus que l'usage en vigueur. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain, Kol Tov. C'est là.